Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire IF Prof. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, on en est déjà au numéro 26, je crois, webinaire IF Prof. Pour aujourd'hui, donc, parler de littérature jeunesse et de ce programme que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Je sais, j'ai déjà vu des noms familiers qui se sont présentés dans le chat, qui connaissent déjà, je suis sûr, ce programme des pépites internationales. Donc, l'édition 2022. Donc, moi, je suis Martin Lafitte, je suis chargé de projet développement des publics à l'Institut français de Paris. Et donc, je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui, car vous voyez avec moi Adriana, déjà, que je vais vous présenter, Adriana Mikulska, qui est. Voilà, bonjour Adriana, bienvenue. Bonjour, merci Martin. Adriana, c'est la petite nouvelle de l'équipe. Elle est étudiante en didactique du français langue étrangère à l'université d'Aix, en Provence, Aix-Marseille. Et donc, elle nous épaule au sein du pôle langue française et plurilinguisme à l'Institut français. Et donc, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce tout premier webinaire pour toi, consacré aux Merci. pépites. Voilà. Et donc, vous voyez, je suis aussi en compagnie de Adélaïde Tilly et de Léa Cadleg. Bonjour Adélaïde, bonjour Léa. Bonjour Martin et bonjour Adriana et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc Adélaïde, tu es enseignante de français langue étrangère, formatrice, conceptrice pédagogique et spécialisée dans le jeune public. Et tu travailles donc en Turquie et tu nous fais le plaisir de faire ces fiches pédagogiques, ces parcours pédagogiques autour des albums jeunesse des pépites internationales depuis bientôt 5 ans, je crois. Je crois, oui. C'est bien ça. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, Léa, qui est aussi enseignante de FLE, formatrice, labellisée TV5 Monde. Bonjour, Léa. Toi, tu es, je ne sais pas où tu es aujourd'hui, tu es en Autriche, peut-être? Oui, je suis à Vienne. C'est ça, à Vienne. Et qui, donc, depuis l'année dernière, tu nous fais le plaisir de nous faire ces magnifiques dossiers pédagogiques sur les bandes dessinées sélectionnées dans le cadre des pépites internationales. Voilà, donc on est vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce programme. Juste quelques petits rappels avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous savez donc hein, que pour ne pas être dérangé par les petites notifications du chat, vous avez la petite clochette en haut à droite de votre écran qui vous permet de désactiver les notifications. Donc faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, bonjour. Alors, c'est qui? C'est Chandan Kamar. Bonjour, on va très bien. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien aussi. On a aussi, donc, si vous avez des questions à poser à Adélaïde et à Léa, ou même à nous, de l'Institut français de Paris, pendant, ce webinaire, vous avez, hein, la petite onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc, on vous demandera de poser vos questions dans cet onglet. Ça nous facilitera la vie pour pouvoir échanger avec Adélaïde et Léa tout à l'heure. Et puis, vous voyez aussi peut-être qu'il y a déjà des petites questions de sondage qu'on vous a posées. Donc, n'hésitez pas à tout de suite y répondre. C'est des questions assez générales, mais qui nous permettent toujours voilà, d'avoir des informations sur vous, sur ce que vous faites et sur comment vous emparer des programmes qu'on vous présente. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Juste petit rappel aussi, hein, vous recevrez tous, bien sûr, une petite attestation de participation à l'issue de ce webinaire, comme d'habitude. Alors, rentrons du coup dans le vif du sujet. Moi, je vais être assez rapide, mais pour vous déjà essayer de vous montrer un petit peu, pour celles et ceux d'entre vous qui découvririez aujourd'hui le programme. Déjà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que ces fameuses pépites internationales? Et puis, et si éventuellement vous montrez comment accéder aux différentes ressources qu'on met à votre disposition. Et donc, vous voyez là, je vous ai partagé mon écran directement sur IF Prof parce que vous pourrez voir donc sur IF Prof des publications, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de les voir, qui vous expliquent bien en quoi consiste cette opération des pépites internationales, hein, qui vous propose vraiment enfin, c'est vraiment une fusée à plusieurs étages avec bien sûr une sélection d'œuvres, donc albums jeunesse, illustrés, bandes dessinées et romans voilà, pour les jeunes, romans adolescents plutôt, qui sont donc mis à disposition sur notre médiathèque en ligne qui s'appelle CultureTech,
que je vais vous montrer dans un instant. On a aussi un petit module de vote qui vous permet à vous et surtout à vos classes, vos apprenants, de voter pour élire leur pépite internationale préférée dans chacune des catégories. On va y revenir dans un instant. Bien sûr, ce qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est toutes ces fiches pédagogiques dont on va parler aujourd'hui, qui sont évidemment disponibles sur IF Prof. Et puis, un petit kit de communication que vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, comme on vous semble. Je vais vous montrer deux, trois choses dans un instant à ce sujet. Et donc, un petit guide de médiation aussi qui vous permet en tout cas pour nous, de vous donner quelques pistes, justement, d'exploitation de ces ouvrages, d'actions que vous pouvez faire en classe avec vos étudiants, avec vos élèves, de projets pédagogiques que vous pourriez monter en dehors de l'utilisation des fiches pédagogiques à proprement parler. Et puis, dernier étage de cette fusée, c'est donc le point d'orgue, on va dire, qui sont ces fameuses rencontres avec une partie des auteurs des pépites sous forme de visioconférence qu'on va vous proposer de nouveau cette année comme on l'a fait les années précédentes avec les pépites internationales sous forme de visio. On attend un petit peu de diffuser le calendrier, là, c'est pas complètement prêt, mais donc d'ici l'été, on pourra sur IF Prof vous diffuser toutes les informations sur les visioconférences qui seront organisées en partenariat cette année avec nos chers collègues de l'Alliance française de Paris-Île-de-France. On va vous donner toutes les informations nécessaires d'ici l'été. Voilà pour les grandes lignes du programme. Juste pour donc rentrer un petit peu plus en détail, je voulais vous montrer la page sur Culture Tech qui est donc mise à votre disposition pour accéder, comme je vous le disais, aux ouvrages en format numérique. On va bien sûr vous partager tous les liens dans le chat. Hein, donc, voilà, Adriana, merci beaucoup, a déjà commencé à le faire. Vous verrez donc sur cette page, je ne sais pas si chez vous ça s'affiche en très grand ou pas, on verra. Mais en tout cas, sur cette page Culture Tech, on vous rappelle évidemment en quoi consiste l'opération, les trois sélections. Album illustré, roman ado et bande dessinée. Et donc, vous voyez sur cette page, voilà, la sélection des ouvrages de cette année pour la sélection album illustré, sur laquelle Adélaïde va revenir dans un instant. Et puis, donc, sur votre gauche, vous voyez le petit module de vote. Donc, voilà, chacun individuellement. Ce module de vote, d'ailleurs, il est ouvert. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accès, un compte sur Culture Tech pour accéder à ce module de vote. Vous pouvez, si vous avez déjà accès aux œuvres ou si vous les avez achetées en format papier, vous pouvez tout à fait commencer à faire voter vos élèves dès maintenant, parce qu'en gros, l'opération, elle s'est ouverte au début du mois de mars. On a ouvert cette page avec la mise à disposition des œuvres et du module de vote à peu près au mois de mars avec les premières fiches. Et donc, ce vote est valable jusqu'au mois de décembre de cette année. On vous le rappelle sur cette page d'ailleurs, parce que donc, comme chaque année, avec nos partenaires du SLPJ, hein, le Salon de la littérature et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui sont nos partenaires évidemment privilégiés sur cette opération des pépites internationales, pendant le salon cette année, et comme chaque année, on fait une petite annonce sur les œuvres qui ont été plébiscité par vous, les enseignants à l'étranger, les enseignants de français langue étrangère et surtout vos apprenants de français qui auront donc voté tout au long de l'année. Donc ça, le module de vote se clôt donc au mois de décembre, mais par contre, les œuvres, elles, ces livres en format numérique, vous pourrez continuer à y accéder jusqu'au mois de mars 2023. Donc, finalement, cette opération des pépites internationales, faire découvrir la littérature jeunesse et les œuvres jeunesse contemporaine à vos apprenants, vous pourrez le faire même au-delà du mois de décembre 2022 jusqu'au mois de mars 2023 avec cet accès à Culture Tech. Voilà, donc on a ici les romans, vous voyez, toujours avec le petit module de vote. Alors, si vous posez la question, normalement, nous avons 6 romans dans la sélection, et je ne sais pas, je ne crois pas que tous soient malheureusement pas disponibles sur Culture Tech. Il y en a un pour lequel on a eu des difficultés pour obtenir les droits de diffusion à l'international, donc vous n'en retrouverez que 5 romans. Donc vous verrez donc un ensemble de 15 ouvrages, 5 albums, 5 BD et 5 romans sur Culture Tech pour à faire découvrir à vos apprenants.
Et vous le voyez également sur Culture Tech, on vous a mis à disposition ces fameuses fiches pédagogiques que vous pouvez par ailleurs toujours retrouver aussi sur IFProf. La petite nouveauté cette année d'ailleurs sur IFProf, c'est qu'on a créé un groupe qui s'appelle les pépites internationales, toutes les fiches pédagogiques, je crois, un truc comme ça, c'est assez simple à retrouver. Vous verrez, je vous invite vraiment à vous y inscrire sur IFProf. Je pense qu'Adriana vous partagera le lien aussi tout à l'heure. C'est un groupe ouvert dans lequel, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les infos sur les pépites internationales, toutes les fiches pédagogiques de cette édition 2022, bien entendu, mais aussi toutes les fiches pédagogiques des années précédentes. Ça, c'est assez intéressant pour vous. Je pense que si vous avez manqué les opérations précédentes, vous pouvez toujours accéder aux fiches pédagogiques au sein de ce groupe sur IFProf. Et j'en termine avec cette dernière partie que vous retrouvez sur Culture Tech, qui sont donc des petits témoignages qu'on a pu récolter. Et encore merci à tous ceux qui ont participé. Je crois que c'est Laurence qui est avec nous aujourd'hui, Laurence Mondésir, qui est attachée de coopération pour le français, qui est chargée de mission pédagogique au SCAC de Nairobi, au Kenya, qui a participé à l'opération l'année dernière. Bonjour Laurence, voilà, je t'ai bien vu tout à l'heure nous saluer et qui nous a fait l'honneur de faire un petit témoignage. Donc, vous pourrez retrouver voilà, ces témoignages vraiment du terrain, d'enseignants, de médiathécaires, d'attachés de coopération qui ont participé à l'opération l'année dernière, et puis aussi certains auteurs qui nous ont fait vraiment le plaisir de témoigner aussi de leur expérience des visioconférences qu'on a pu organiser avec eux et vous et vos étudiants, vos apprenants l'année dernière. Voilà, désolé, j'étais un petit peu long. Je pense que c'était important quand même de rappeler tout ça. Et puis du coup, je vais pouvoir céder la parole à Adélaïde, qui va pouvoir nous présenter un petit peu tout le merveilleux travail qu'elle a fait cette année autour des albums jeunesse des pépites internationales. Je te laisse la parole, Adélaïde. Merci, Martin. Alors, depuis maintenant plusieurs années, donc depuis le début de cette opération pépites internationales, je travaille, moi, de mon côté, sur les albums jeunesse, donc vraiment les livres pour enfants, pour le dire simplement, et sur les fiches pédagogiques qui les accompagnent. Donc, je réfléchis vraiment à comment amener chaque livre dans vos classes. Oups, attendez, j'ai des petites fenêtres qui s'affichent. Voilà. Alors, quand on crée comme ça les fiches pédagogiques, on a en fait deux objectifs. En tout cas, moi, j'ai deux objectifs quand je réfléchis à l'exploitation qu'on va pouvoir faire d'un album dans la classe. Le premier objectif, et je pense que c'est vraiment à la base du projet, c'est un objectif culturel. L'idée, c'est vraiment d'amener des livres dans la classe. Et puis, pas n'importe quel livre, puisque là, c'est des livres qui sont récents, qui sont sortis dans l'année ou l'année précédente, qui sont français ou francophones, d'auteurs francophones, et qui sont très variés parce qu'en fait, on fait attention à avoir une sélection variée. La littérature jeunesse et les albums jeunesse, ça peut recouper, enfin, c'est très riche en fait sous la forme que ça peut avoir, et on essaye d'apporter comme ça des livres qui à chaque fois ont un... Ah, je vois qu'il n'y a pas de son. Si, pourtant, non, c'est allumé. Voilà, des livres qui sont très variés. On essaye d'amener de la variété dans la classe et d'être un espèce de médiateur culturel, même si moi, je suis prof de FLE, ce n'est pas mon premier objectif, mais la culture est à la base de ce projet. Et je pense qu'en tant que prof, on a besoin de varier nos supports d'enseignement et que les livres sont un support privilégié. Donc, voilà, l'autre pendant de ces fiches pédagogiques, c'est évidemment la pédagogie et l'enseignement du français. C'est-à-dire qu'on veut amener des livres dans la classe, mais pas uniquement pour que ce soit des jolis objets avec des jolies histoires à raconter, mais on a un double projet pédagogique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est que déjà, c'est d'amener des livres qui ont été créés pour des enfants francophones à la disposition, à la hauteur de la compréhension de nos élèves qui ne sont pas francophones. Donc, tout ce côté compréhension, il va falloir que le professeur fasse un travail de nivellement, un travail d'adaptation du livre pour le mettre à hauteur de nos apprenants. Et ensuite, les livres sont un formidable support d'enseignement de la langue. Donc, on va aller chercher des éléments
langagiers dans le livre qui vont nous permettre d'enseigner le français à nos élèves. Et tout ça, on le retrouve dans les fiches pédagogiques. C'est une combinaison de ces deux objectifs-là qu'on essaye d'avoir quand on crée les fiches pédagogiques. Donc, depuis les années et années qu'on crée cet événement, on a beaucoup d'albums jeunesse aujourd'hui qui sont didactisés et qui sont à votre disposition. J'en ai mis quelques-uns ici, ils n'y sont pas tous. Il y a vraiment une richesse dans laquelle vous pouvez encore aller piocher, puisque comme le disait Martin tout à l'heure, les fiches pédagogiques sont encore disponibles. Les albums sont souvent sur Culture Tech disponibles. Donc là, cette année, moi, j'ai travaillé sur 5 livres, puisqu'il y a la sélection de 5 albums par an. Mais à force, ça fait un catalogue comme ça d'albums jeunesse qui sont prêts à être exploités dans la classe et qui sont à votre disposition. Et il y a vraiment une richesse, même visuelle, comme on peut voir là, de couleurs, de styles, d'histoire, qui est assez fantastique. Et pour des personnes qui sont amoureuses de la littérature jeunesse, comme je peux l'être et comme je sais que le sont beaucoup de profs, c'est une mine d'or un petit peu maintenant. Donc cette année, les 5 albums de la sélection dans la catégorie albums illustrés, donc livres pour enfants hein, tout simplement, ce sont les 5 que vous voyez ici. Et là aussi, on peut voir qu'il y a des choses qui sont très 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 différentes. On a un album tout en longueur qui est tout sur la droite, où il y a très peu de texte, voire pas de texte quasiment, mais beaucoup, beaucoup de détails à observer, à raconter, et une fin qui est très drôle. On a un imagier, comme celui qui est complètement à gauche, des trucs comme ci, des trucs comme ça. C'est des grandes pages, c'est un très grand livre, avec sur chaque double page, des trucs qui roulent, des trucs qui éclairent, des trucs qui explosent, voilà, plein de choses comme ça. Donc, au niveau du vocabulaire, mais aussi de la catégorisation, des adjectifs, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, les 3 albums qui sont au milieu, là, c'est plus des récits, hein, des histoires à raconter, et notamment un conte, puisque là, il y a une version de Blanche-Neige qui est déjà souvent connue des enfants, mais dans une nouvelle approche. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la différence. La variété des albums qui peuvent être présentés chaque année dans le cadre de ces pépites internationales dans la section albums illustrés. Maintenant, sur les fiches pédagogiques, vous allez retrouver plusieurs choses. En fait, on essaye de vous pré-mâcher le travail parce que je sais que les livres pour enfants, souvent comme prof aux enfants, on aime ça, mais ce n'est pas évident de savoir comment faire, quoi choisir comme objectif, comment les raconter dans la classe, etc. C'est pas évident parce que ce sont des livres, encore une fois, qui ont été écrits pour des enfants francophones et que ça n'est pas notre public d'apprenants. Donc, dans ces fiches pédagogiques, on va vous préparer plusieurs choses. On va déjà vous préparer des stratégies, c'est-à-dire que ce livre est difficilement compréhensible tel quel pour des enfants non francophones. Donc, il y a plein de petites stratégies à mettre en place pour que vos élèves comprennent le livre, pour que vos élèves aiment ce livre, parce que quand on ne comprend pas, c'est difficile d'aimer, et puis pour que vos élèves s'en emparent, c'est-à-dire qu'ils soient capables de le re-raconter, qu'ils soient enthousiastes de le relire et de faire des activités autour de ce livre. Donc ça, on le réfléchit déjà à l'avance et on le met dans les fiches pédagogiques et dans la démarche que vous pouvez avoir dans l'introduction du livre dans la classe. Ensuite, on fait les choix pour vous, parce qu'un livre, c'est très riche. En termes de langue, ce qu'on trouve dedans, et puis même en termes d'images, d'observations, de descriptions, de détails, d'actions, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans un livre. Donc, il s'agit de choisir un axe. Donc, nous, on choisit pour vous, sur tel livre, voilà ce que vous pourriez creuser comme question. Et ensuite, on vous crée toute la démarche et les supports qui vont avec. Donc, il y a dans chaque fiche pédagogique, il y a un imagier, généralement des cartes d'images pour pouvoir travailler la mémorisation du lexique. Et puis ensuite, il va y avoir des jeux pour approfondir ce qu'on aura appris. Il va y avoir des fiches élèves pour avoir une petite trace sur le cahier, des figurines pour théâtraliser, mais aussi des activités manuelles, par exemple, pour reproduire certains styles graphiques. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent dans la démarche pédagogique pour prolonger en fait, l'utilisation de ce livre dans la classe et prolonger surtout l'apprentissage des objectifs qu'on s'est donnés au niveau de cet album. Et justement, pour terminer, parce que je fais un petit peu vite, mais on va avoir après un échange de questions-réponses, je voulais vous montrer un peu toute la variété d'objectifs pédagogiques qu'on a travaillé dans les fiches pédagogiques de cette année uniquement.
à partir de ces 5 livres. Voilà, par exemple, plein d'objectifs qui sont travaillés grâce à la sélection des pépites de cette année. Donc, chaque album va rassembler 2 ou 3 de ces objectifs. Et puis, au fur et à mesure des activités, du parcours pédagogique, on va renforcer ces apprentissages. Donc, c'est vraiment... le livre n'est pas à prendre uniquement que comme un joli objet avec une belle histoire, mais pour nous, c'est une superbe opportunité de travailler la langue en contexte et dans le plaisir, puisque les enfants adorent les livres, adorent ces images, adorent ces histoires. Donc, on prolonge le plaisir, en fait, en les utilisant comme support d'enseignement. Voilà pour les pépites de cette année. Si vous avez des questions, alors je n'ai pas été regarder s'il y avait des questions dans la boîte à questions, vous pouvez me les poser maintenant. Ouais, merci beaucoup Adélaïde, vraiment, pour ces explications. Je crois qu'on n'a pas énormément de questions, mais justement, je voulais rebondir juste un tout petit peu sur ce que tu disais. Parce que souvent, c'est vrai que les enseignants aiment bien avoir des choses très... cadré, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, voilà, comment on aborde la chose en classe, dans un cadre un peu rigide. Toi, tu prônes plutôt d'inclure cette découverte des bouquins dans le cadre d'une séquence pédagogique particulière ou comme ça, de manière plus légère. Comment tu t'y prends personnellement en classe? En fait, il s'agit rarement de choisir un album illustré au hasard. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça vienne appuyer un thème qu'on travaille ou bien une unité qu'on travaille si on travaille avec un manuel. Si on arrive à en mettre en lien un album, notamment, comme je vous ai montré, à partir des objectifs qui peuvent être utilisés dans cet album, si on arrive à le mettre en lien avec ce qui est fait dans la classe en termes de grammaire, d'apprentissage du lexique, de thèmes de champ lexical, etc. L'idée, voilà, est de créer des liens, puisqu'on apprend en faisant des liens entre un support qui va nous introduire du contenu langagier, puis d'autres supports qui vont le réutiliser. Donc, c'est vraiment important de faire des liens avec ce qu'on fait dans la classe et les albums qu'on choisit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, je vais demander alors Léa, si tu es toujours parmi nous, de pouvoir prendre la suite et nous présenter un petit peu toi aussi ton boulot. Peut-être juste entre-temps, parce que j'ai vu qu'il y avait une question alors, très intéressante, qui n'est pas directement en lien avec les fiches, mais qui est très intéressante. C'était une question d'Isabelle, justement, qui me demandait au niveau des droits d'auteur, savez-vous si dans les réseaux sociaux, on a le droit de lire des albums sous forme de live ou de vidéo enregistrée, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des droits d'auteur, mais j'ai posé la question pendant qu'Adélaïde nous présentait ça à une grande spécialiste des droits d'auteur à l'Institut français. Et elle nous dit que, de manière générale, quand on mène des opérations comme ça, il faut tenir informer les éditeurs de ces albums que vous souhaitez lire sur les réseaux sociaux. Et qu'en général, il n'y a absolument aucun souci pour faire des lectures en live, sans rediffusion en fait du live justement. Que ce soit juste un coup comme ça en direct, sans ensuite valorisation a posteriori du live. A priori, il n'y a jamais de problème. Mais normalement, voilà, les éditeurs sont en droit de vous demander un paiement de droits de diffusion à partir du moment où vous faites une lecture publique d'une de leurs œuvres. Voilà pour la petite réponse un peu technique, désolé. Mais voilà. Donc, je te laisse la parole, par contre, Léa, pour nous parler un peu des bandes dessinées que tu as didactisées pour les pépites internationales. Et encore merci à Adélaïde, on te retrouve tout à l'heure pour une conversation un peu plus large. Voilà. Merci Adélaïde, merci Martin. Alors, rebonjour à vous tous. Je suis ravie encore une fois de voir le monde entier réuni autour de la langue française et surtout autour de la littérature jeunesse. Donc, on peut voir que c'est quelque chose de définitivement qui vous intéresse, autant que les pépites internationales 2022. Alors, pour vous parler en détail un petit peu de ce que j'avais concocté pour vous cette année, donc, le choix des 5 bandes dessinées cette année avait été très riche. Riche non seulement en images, ce sont les bandes dessinées, non seulement en texte, mais surtout cette année riche en émotions.
Alors, entrer dans le monde cette année des pépites internationales, les 5 bandes dessinées que j'ai eu l'immense joie de didactiser pour vous est pleine de belles dans le monde des émotions. Très souvent, nous ne voulons voir que ce qu'il y a en rose, donc ce qui est beau, donc de la joie, de la créativité, de la beauté, des émotions qui nous font vivre des moments inoubliables. Et très souvent, on préfère ne pas voir ce qui fait mal. Donc, les émotions telles que le rejet, par exemple, le désarroi, la confusion, la peur. Mais sachez que tout ceci fait partie de la vie. Alors, si vous me demandez comment je m'y prends, c'est que j'aime quand dans les classes de français, on puisse apporter du matériel, en l'occurrence les bandes dessinées, qui reflètent ce que nous vivons dans la vraie vie, ce que nos apprenants connaissent déjà, et qu'ils puissent contextualiser et conceptualiser, se retrouver dans les personnages, mais pas seulement que ça. En tant que conceptrice, je veux qu'ils se retrouvent par la suite dans les activités qu'ils vont faire avec vous, sauf qu'en français, et surtout sans se rendre compte qu'ils seront en train de tout faire en français, et bien le faire en français. Alors, je vous ai préparé les fiches pédagogiques pour les 5 bandes dessinées que vous allez pouvoir exploiter en classe de FLE, et j'espère avec autant de joie que moi j'en ai eu en les conceptualisant. Alors, pour vous faciliter un petit peu le temps et la tâche, parce que je sais que nous mettons tous beaucoup de temps dans la préparation en faisant du sur-mesure pour nos cours, je me suis appuyée sur le même scénario pédagogique. Donc, dans chacune de ces 5 fiches pédagogiques, vous allez trouver une fiche pour enseignant, une fiche pour apprenant, une fiche matérielle. Elles seront facilement exploitables et en présentiel et en ligne si le besoin se fait. Et vous allez toujours y retrouver le même scénario pédagogique. Pourquoi le même scénario pédagogique? Parce que j'aime quand ça coule de source, comme en fleuve. C'est clair qu'en 2h, 2h30 de cours, vous n'allez pas pouvoir lire une bande dessinée de 150 pages. Mais je me donne toujours pour but de pouvoir vous faire découvrir toute la bande dessinée dès le début jusqu'à la fin, en sélectionnant soigneusement les passages qui vont pouvoir faire le lien entre les parties que vous allez lire et que vous allez devoir sauter, sans vous en rendre compte, et afin que vos apprenants puissent connaître toute l'histoire et que vous puissiez échanger en classe, que vous puissiez en discuter et que vous puissiez par la suite faire une production à la fin. Alors, il y a toujours une activité de découverte ou d'une mise en scène. Celle-ci est toujours en lien direct avec le thème et le sujet que vous allez travailler avec vos apprenants. Cette activité de mise en joue, de mise en route, elle n'est pas nécessairement issue de la bande dessinée. Souvent, elle l'est, mais pas nécessairement. Ça dépend de l'inspiration. Ensuite vient le passage de découverte de la bande dessinée, donc des activités de compréhension globale ou générale, des activités de compréhension plus détaillées. Et puis finalement, on arrive vers la partie qui est probablement l'une de mes parties préférées, apprendre. Je trouve que dans chaque bande dessinée, il y a tellement de choses à apprendre avec nos apprenants. Il y a des émotions, il y a des situations qu'ils connaissent, il y a quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Et dans cette partie, je me sers du thème principal de la bande dessinée pour le rendre richissime dans vos classes de français afin que vous puissiez aller chercher ce sujet et ce thème et pouvoir le travailler en français. Et là, le dernier passage, il y a toujours ce passage de réinvestissement. Alors, allons réinvestir ce que nous avons découvert, compris et appris tout en lisant la bande dessinée ensemble en classe et allons produire ensemble. Alors, pour la première bande dessinée, le Club des Amis 2, je commence avec les plus jeunes. Donc, cette bande dessinée s'adresse à un public très jeune, 6 et 8 ans, niveau 1 à 2. Nous savons qu'il nous manque toujours beaucoup de matériel pour les niveaux les plus bas. Et cette bande dessinée invitait absolument à l'exploiter à ce niveau-là. C'est l'histoire, en fait, d'un ourson, d'un oiseau et puis d'un serpent qui font partie de leur Club des Amis, qui ne s'y quittent pas, qui s'épaulent toujours, qui vont vivre en fait au fil des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, une grande aventure. À la fin du printemps, la grande pluie va en fait envahir la cave de l'ourson, ils seront en train de jouer. La maman de l'ourson va les aider, les enfants, en fait, à se sortir de cette situation.
Et puis, elle va rester garder la maison et envoyer les enfants en sécurité. Et ici, j'ai vu une très, très belle parallèle dans la vie des enfants psychologiquement de 6 à 8 ans. À l'âge de 6 à 8 ans, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons de maman. Il est important que nous commencions à devenir indépendants, que nous sachions nous débrouiller dans la vie, que l'on puisse aussi, à l'aide de nos amis, pouvoir en fait grandir. Et le but en fait de mon exploitation à travers la langue française, c'était ceci. Donc je me suis servie de ces superbes couleurs bleu, vert, brun, tout ce qui est naturel, pour travailler les verbes du premier groupe ER dans des contextes différents. Bien sûr, les verbes qu'ils connaissent, mais aussi les verbes qui font partie en fait de l'exploitation de l'album. Ensuite, toujours dans cette idée de « je grandis, je deviens plus indépendant, maman n'est pas là, il faut que je me débrouille, il faut aussi que je sois responsable ». Alors, à un moment donné, nos trois amis, quand ils s'installent bien sur leur île, ils écrivent une lettre, par exemple, à maman pour la rassurer que tout va bien, qu'ils se débrouillent, qu'ils ont des choses à manger, qu'ils se préparent pour l'hiver. Il y a une pléiade d'activités que j'ai préparées pour vous, mais j'aimerais vous parler aussi de l'activité en fait de production à la fin, après tous les passages à travers les saisons, après avoir mis en pratique ce que les enfants, donc ici l'ourson, la violette, donc l'oiseau, et puis le serpent, Crocus, réussissent à faire. Dans la vraie vie, on aimerait qu'on puisse le refaire aussi. Alors, je propose une activité de production ici, afin qu'en petit groupe, vos apprenants donnent le nom à leur club des amis, choisissent un drapeau, dessinent une maison, comme les amis ont dû le faire dans la bande dessinée. Donc, réfléchir à l'endroit où ils auront cherché du matériel. Je les guide petit à petit à travers les questions, parce qu'on parle des petits niveaux. Donc, quand, comment, où, est-ce que, qu'est-ce que, pour pratiquer les questions. Et ensuite, pour les guider, entre parenthèses, ils ont des mots de vocabulaire qu'ils pourraient ne pas connaître. Mais de toute façon, ils auront, vous, les enseignants dans la classe, et vous allez pouvoir aussi répondre à leurs questions s'il y en a. La deuxième bande dessinée, Le Détective du Bizarre, est une bande dessinée pleine de couleurs très, très intenses qui s'adresse au public 10 à 12 ans, niveau A2 B1. Et c'est une histoire qui est vraiment riche en émotions. Vous allez adorer, je pense. Donc, c'est l'histoire d'un jeune détective, Billy Brouillard, qui, un jour, au retour de sa mission à la maison, entend un conflit verbal entre ses parents caché sous la fenêtre. Rempli d'une grande colère et de grande tristesse, il s'enferme dans sa chambre pour dormir. Et le matin, sa petite sœur vient le voir en lui disant qu'il y a un monstre dans sa chambre et qu'elle a besoin d'être protégée. Lui, toujours en fait, rempli de cette grande colère, repousse sa sœur, ferme la porte et la laisse se débrouiller. Et bien sûr, elle est attirée par un monstre sous son lit. Et Billy, quand il découvre ce qu'il avait fait, il court voir sa meilleure amie, Céleste, pour qu'elle lui donne la recette, comment il pourrait aller retrouver et sauver sa sœur. Et ici, Céleste lui explique que c'était à cause de sa grande colère qu'il avait ressentie et qu'il n'avait pas su gérer que sa sœur était perdue au pays des monstres où vit la colère et toutes les émotions négatives. Et alors, Billy, donc dans cette bande dessinée, vous allez voir deux côtés. Le côté du détective, Billy Brouillard, donc vous allez avoir des activités où lui, avec sa loupe trouble vue, il va partir sur les traces de sa petite sœur. Et l'autre côté de la bande dessinée, qui va vous parler de l'ego humain. Les enfants vont se questionner tout au long en fait, de la bande dessinée sur qu'est-ce que c'est les émotions négatives, ici en l'occurrence la colère, qu'est-ce que c'est l'ego. Donc ils vont faire cette petite rencontre dans le miroir pour comprendre ce que c'est. Dans des activités en fait, variées, ils vont pouvoir retravailler, donc se mettre dans la peau de Billy, retravailler la situation vécue et sa réaction pour pouvoir par la suite y réfléchir. Et là, se mettre dans leurs propres chaussures. Et là, l'activité de production est assez intéressante. Je les invite à un rendez-vous avec leur propre colère. Ils doivent identifier les couleurs de leur colère, l'endroit où ils ressentent dans le corps la colère,
parce que c'est comme ça dans la bande dessinée. Billy, il ressent la colère là, ici, au milieu de son estomac. Ensuite, ils vont devoir en fait choisir quelle réaction ils ont lorsqu'ils sont en colère. Et là, on entre un petit peu dans un travail philosophique, mais très, très simple et élémentaire au niveau de la langue. Et c'est qu'est-ce qu'il y a de positif et de négatif sur la colère ? Cela nous permet de nous questionner sur nous-mêmes, de nos réactions dans la vraie vie. Et puis voilà, à la fin de leur production orale, je leur propose de faire un petit accord avec eux-mêmes et leur ego, de réfléchir à ce qui pourrait changer à leur façon de réagir lorsqu'ils sont en colère, et surtout pourquoi. Donc par exemple, moi je décide aujourd'hui de réagir de façon plus calme, de ne pas crier, de ne pas être agressive. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas perdre mes amis, je ne veux pas blesser les autres. La troisième bande dessinée, Nora Girl, c'est une bande dessinée qui est ultra riche en émotions également cette année. Encore une fois, public, 11-13 ans niveau A2B1, c'est l'histoire d'une jeune collégienne, donc Magali, qui arrive au collège. Pendant toutes les vacances d'été, elle se prépare à ce moment fascinant de pouvoir grandir, d'être la grande collégienne. Sauf que la réalité est différente, tout comme nos apprenants en classe de FLE le connaissent dans leur vie. Donc, les enseignants guident moins, sont moins bienveillants. On s'attend à ce qu'ils soient indépendants, autonomes, qu'ils sachent faire les choses tout seuls. Et alors, toute cette pression qu'elle se met sur les épaules, le sac à dos qu'elle remplit de peur, de honte, d'insécurité, commence à peser tellement sur Magali qu'elle développe une phobie de l'école. Et alors, ici arrive la musique. Et en l'occurrence, les Beatles, pour l'aider à aller mieux quand il ira très mal. Je vous propose cette bande dessinée, en fait, elle est toute en rose, blanc et noir, jusqu'à ce qu'arrivent les Beatles, où la vie de Magali devient très, très colorée. Elle va travailler beaucoup, énormément avec ses propres émotions. Alors, par exemple, dans le journal, je vous propose, avec vos apprenants, d'identifier toutes les émotions qu'elle a ressenties juste en une journée à l'école. Et tout au long de la bande dessinée et de son exploitation avec vos apprenants, vous allez passer par, après chaque activité, il y a un passage où vous allez échanger avec vos apprenants. Vous allez échanger au sujet des émotions qu'elle vit. Donc, en empathie, on va se mettre à sa place pour comprendre vraiment, avoir le ressenti. Et par la suite, vous allez échanger avec vos apprenants en français pour voir si eux aussi, ils ont connu une telle ou telle émotion en classe. Si oui, quand, pourquoi, comment ça s'était résolu. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage tout au long de l'exploitation de la bande dessinée. Ensuite arrivent les Beatles. Donc, il y a un petit questionnaire que j'ai préparé pour vos apprenants, pour qu'ils découvrent les Beatles, parce que bon, les jeunes ne vont pas nécessairement comprendre. Et puis ensuite, on va suivre Magali et on va se poser des questions sur quel rôle joue la musique dans la vie des enfants de 11 à, en fait, de 13 ans. Est-ce que c'est la même chose que c'était pour Magali ? Comment est-ce que la musique nous aide ou ne nous aide pas, si c'est le cas ? On va suivre Magali et puis les mois, en l'occurrence, finalement, deux années qu'elle va passer à la maison, à faire l'école à la maison. Ensuite, suivre la psychologue, les parents, toute l'évolution, les amis qui nous manquent. Et moi aussi, j'aimerais bien être avec eux. Et puis, à la fin, je vous propose de faire une grande enseigne pour elle, avec tout le matériel que vous aurez utilisé en classe, pour faire comprendre à Magali qu'il y a aussi de belles choses qu'on vit à l'école. Il n'y a pas que des examens, il n'y a pas que des cours de mathématiques ou des dictées en français à faire. Et alors, motiver Magali à avoir envie de sortir de chez elle et de vous retrouver en classe. L'avant-dernière, le souffle du géant, on s'adresse à nouveau à un public de 11 à 13 ans, niveau 1-2B1, l'histoire de deux orphelines qui sont parties toutes seules découvrir le souffle du géant pour ramener à la maison un être cher. Encore une fois, énormément d'émotions, de courage et de détermination
Ici, je vous ai préparé une activité de mise en route intéressante. Je ne voulais pas, on dit toujours, il ne faut pas offrir des réponses crues à nos apprenants. J'aime bien parfois quand l'exploitation de la bande dessinée s'y prête, les laisser entrer eux-mêmes dans l'histoire, sans qu'on leur dise voici les personnages, etc., qu'on les rencontre directement. Donc, j'ai découpé les premières pages. Je leur demande donner leur propre chronologie à l'histoire, de penser à une phrase qui leur permettra en fait par la suite de présenter au reste du groupe ou de la classe leur version du début de la bande dessinée. Ensuite, les filles vont être séparées par un accident de la plus jeune qui va la mener dans un village indien où, je crois que ça prend par le cœur, grâce à ces villageois, la jeune fille va découvrir quel est le rapport des Indiens à la vie et à la mort, à l'acceptation de la vie, mais aussi à l'acceptation de la mort, à la colère qu'on peut avoir vis-à-vis ses parents de nous avoir laissés seuls, mais aussi à l'acceptation et la compréhension que parfois la vie nous a le destin ainsi. Ah, je crois que malheureusement, on a perdu Léa. Elle va revenir dans un petit instant, je pense. Mais ça me permet du coup peut-être de poser une petite question. Ah ben non, tiens, Léa nous rejoint. Ah, tu es de retour. Magnifique. Je suis de retour, tout le monde m'entend, tout le monde me voit. C'est parfait. J'allais juste poser une question à Adélaïde quand tu es revenue. Pardon, on te laisse terminer. Non, il n'y a pas de problème, je finis, j'en ai pour une minute, c'est bon. Donc voici, je parlais de cette relation à la vie et à la mort. Avant que les deux sœurs comprennent que poursuivre le voyage dangereux pour ramener leur maman à la maison, parce que la pierre, en fait, leur permettrait de la ramener à vie, c'était peut-être pas ça quelque chose que maman aurait voulu. C'est peut-être pas ça ce que le destin aurait inscrit, en fait, dans le livre de la famille. Et puis la dernière, Polly, publique 16 à 18 ans. Donc, nous avançons et en niveau et en âge. Cette bande dessinée très particulière, très, très riche en émotions aussi, nous parle en fait d'un enfant, un bébé qui naît hors norme. Pourquoi hors norme? Parce que selon le diagnostic des médecins, il n'est ni fille ni garçon. Alors on va suivre le désarroi des parents face à une telle situation. On va suivre l'évolution de la vie de cet enfant qui va bien sûr grandir, qui va être bien sûr formé et suivi par les médecins, qui va vouloir trouver sa place dans la société qui a besoin de tout placer dans des cases, dans la société qui juge, dans la société qui cherche à pouvoir comparer. Alors, on va pouvoir faire un énorme travail très riche avec nos apprenants et beaucoup de philosophie et de questionnement, encore une fois, sur est-ce que les médecins, malgré leur profession, ont le droit de prendre de telles décisions et de dire que notre enfant va devenir un homme parce que les garçons se débrouillent mieux dans la vie, les garçons gagnent plus dans la vie, parce que pour les hommes, la vie, c'est plus facile. Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, on fait un échange très, très riche avec nos apprenants. Dans la deuxième partie, on va se questionner sur notre société. Pour quelles raisons on a besoin de caser? Pour quelles raisons on a constamment besoin de comparer? Pourquoi il faut être conforme? Il y a cet adjectif conforme qui revient à la fin de la bande dessinée où Polly dit « c'était le mot qui m'a fait le plus mal dans ma vie ». Parce que j'ai toujours entendu que je n'étais pas conforme. Et puis alors finalement, à la fin, on découvre Polly prend il reprend la force et il se permet de dire à ses parents, après avoir vécu plusieurs situations dans la vie, qu'il n'est pas celui qu'ils avaient créé, qu'il faut arrêter de se mentir, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Il est qui il est, il faut qu'il l'aime comme il l'est. Parce que lui, il va aimer la vie telle qu'elle est. Il fait une très belle rencontre avec un sans-abri qui se présente comme un dyslexique. Donc, si Polly ne sait pas qui il est, alors ben lui, il est dyslexique. Et ils font une merveilleuse découverte d'une vidéo. Donc, on retourne sur les téléphones portables
d'aujourd'hui et vont faire une découverte dans le monde des animaux. Pour découvrir, il lui fait découvrir le monde des tortues, qui sont les grandes professionnelles de tolérance et compassion. Alors, je demande à vos apprenants, sur le thème de la bande dessinée, de chercher dans le monde animal un autre animal qui possède une qualité telle que, par exemple, les tortues possèdent les compassions, selon Timama. Et en fait, d'en parler devant la classe, en fait, sous forme de la dernière scène de la bande dessinée, pour découvrir que le monde ne doit pas être tel qu'on le voit, il peut aussi être tel que l'on va le créer nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, pour tous ces détails sur les bandes dessinées et les différentes activités que tu proposes aux enseignants dans ce cadre. C'est vraiment super. Il y a eu vraiment pas mal de questions. Donc, peut-être qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste pour répondre à la question de Claudia, en fait, le dernier album là, dont la fiche a été tirée, c'est Poli. Poli. Voilà, exactement. Et puis, ben, merci aussi pour la remarque de Madeleine, qui voit bien que notre sélection elle est bien dans l'époque. En effet, on a essayé de coller un petit peu aussi à des thématiques très actuelles. Donc, c'est pour ça que on a fait le choix de vous proposer Poli, qui on a eu, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, on a eu des longues discussions à l'Institut français et puis avec Léa aussi par rapport à est-ce que c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains ou pas, selon les contextes dans lesquels vous enseignez. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous estimez que c'est pertinent ou pas de le mettre en face de vos étudiants ou pas, de vos élèves ou pas, quelle approche vous voulez faire. Parce que vraiment, Léa a vraiment bien expliqué son approche qui n'est pas du tout frontale et qui vraiment arrive à introduire ce sujet de l'identité de manière très douce, alors que vous verrez, si vous avez l'occasion de lire l'ouvrage sur Culture Tech, il y a quand même certaines images qui peuvent un peu être crues, être mal prises. Donc, c'est pour ça qu'on l'a conseillé à un public un peu plus averti de 16-18 ans. Et d'ailleurs, ça me permet peut-être de lancer la conversation, mais parce qu'on avait des questions très intéressantes. Et si tu veux venir avec nous, d'ailleurs, Adriana, n'hésite pas surtout à nous rejoindre. Mais justement, on avait une question peut-être pour vous lancer sur c'était Patricia qui nous demandait est-ce qu'on peut envisager d'utiliser les fiches que nous on vous conseille d'utiliser par exemple pour un niveau B1 de 16-18 ans avec un public adulte ou à l'inverse peut-être des albums qui sont recommandés pour des publics beaucoup plus jeunes et aussi qu'on pourrait proposer à des publics plus âgés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Adélaïde, Léa? Alors moi, je n'ai pas répondu dans le chat parce que je me suis dit que c'était plus approprié pour Léa. Effectivement, les albums jeunesse, au niveau des objectifs qui sont travaillés, on est vraiment sur des objectifs de niveau A1, A2, puisque avec des enfants apprenants de FLE, on va rarement au-delà, hein, pour être honnête. Donc, au niveau de la démarche pure et des apprentissages qui sont décrits dans les fiches pédagogiques, je ne pense pas que ce soit adapté à du B1. Par contre, il y a aussi une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut utiliser les albums jeunesse, par exemple, avec des publics adultes? Et moi, je pense que oui, tout à fait, parce que beaucoup de choses qui sont utilisées avec les enfants où on va travailler avec plus d'intensité tout ce qui va être oral, tout ce qui va être récit, tout ce qui va être ludique. Finalement, quand on teste ça avec des adultes, ils sont surpris, mais si l'enseignant l'amène avec enthousiasme, justement, cet effet de surprise est très bénéfique à la motivation des apprenants, même adultes. Donc moi, je pense qu'en modifiant des objectifs qu'on peut avoir sur un album jeunesse, tel que vous allez apprendre à le raconter à des enfants de l'Alliance française qui apprennent aussi le français, ou bien vous allez partir d'un modèle d'album pour créer un album sur le modèle de, et donc travailler le récit, l'écrit, etc. En adaptant les objectifs, les albums jeunesse en classe d'adultes sont hyper chouettes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Léa, par rapport à ce que vient de dire Adélaïde. Ça va, tu vas... je voulais bien sûr, je voulais en fait rebondir. Chris, il avait, pour les albums dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi-même, je le fais. J'exploite et j'utilise les albums jeunesse dans mes classes avec les adultes. Selon la bande dessinée, j'adapte bien sûr les activités et le résultat est toujours fantastique. Il s'en donne à cœur joie. On oublie souvent que même adultes,
On adore les bandes dessinées. Il n'y a pas de limite, justement. C'est ça la force des albums jeunesse, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de limite aux images. Et Chris, il a dit tout à l'heure, il m'a écrit, Polly est aussi une belle approche pour un atelier de philosophie. Alors, sachez, Chris, définitivement, vous pouvez très bien travailler un atelier philosophie, cette bande dessinée, autant que Nowhere Girl, parce qu'il y a beaucoup de philosophie. J'en avais fait plein. Je vous en avais ajouté, vous allez le voir en regardant la fiche pédagogique. Et de toute façon, sur ces 5 bandes dessinées, il y en a 4 que vous pouvez utiliser facilement, même en atelier philosophie. Absolument. Donc, le travail avec les adultes, n'hésitez pas, adaptez ce qu'il vous faut, bien sûr, dans les fiches. Certains passages sont adaptés uniquement aux enfants, mais vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez vous inspirer des activités qu'on vous propose. Et puis, par la suite, parce que vous connaissez vos étudiants, vos classes, vos groupes le mieux. Vous savez très bien à quoi ils répondent. Vous connaissez leurs goûts. Donc, inspirez-vous de nos activités et puis adaptez-les à ce qui vous plairait à faire dans vos classes de FLE. Merci beaucoup pour ces explications. D'ailleurs, justement, pour aller un peu plus loin, on avait une question là je crois que c'est Gisèle qui posait la question sur comment travailler justement la littérature avec des enfants ou des jeunes qui n'aiment pas lire, ou peut-être pour elle-même aller plus loin, comment est-ce que vous introduiriez justement ce type de support, que ce soit les albums illustrés ou les bandes dessinées, pour des publics qui ont vraiment une compétence en lecture très très limitée. Je peux me lancer parce que j'ai répondu déjà dans le chat. Il faut ruser. Alors déjà, il y a au niveau des fiches albums jeunesse, il y a déjà deux publics, c'est-à-dire qu'on est sur une tranche d'âge qui va de 4 à 10 ans en gros. Donc dans ces élèves-là, il y a déjà des élèves qui ne sont pas lecteurs, quoi qu'il arrive. Donc les fiches sont prévues aussi pour être au niveau des élèves qui ne savent pas lire. Donc il y a une pléthore d'activités qui de toute façon ne nécessitent pas de lire littéralement le texte. Et pour des enfants plus grands qui savent lire mais qui n'en ont pas envie, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Je pense que déjà, il faut se rendre compte du texte et dans quelle mesure il est adapté à leur niveau. Parce que c'est très difficile d'accrocher à un texte dont on ne comprend pas 50% des mots. Donc, si le texte est trop compliqué, vous n'allez pas leur donner le goût de la lecture, vous risquez surtout de les dégoûter. Donc, c'est très important de choisir des textes qui vont être à leur niveau. Et c'est pour ça que souvent, dans les fiches des albums jeunesse, hein, pas des BD par exemple, mais je propose de simplifier le texte et de le raconter et de ne pas faire des activités de lecture. Mais si vous avez des élèves de niveau A2, B1, qui sont capables de comprendre le texte, mais qui n'aiment pas lire, je vous conseille de ne pas y aller frontalement, de ne pas dire « on va lire et je vais vous poser des questions », mais plutôt de commencer par raconter, donc donner des éléments qui vont les aider ensuite à lire, à comprendre, à parler, de faire des activités d'observation, de déduire ce qui va se passer la page d'après, d'imaginer ce qu'on pourrait faire à la place, d'avoir des discussions en fait autour des images, de l'histoire, et ensuite de leur mettre le livre dans les mains, parce qu'en fait les livres sont des beaux objets, et une fois qu'on est rentré un petit peu dans l'univers de façon, en prenant un petit peu la tangente comme ça, de façon un petit peu pas frontale, ben, qu'on a le livre dans les mains, on va vouloir s'y attarder, et s'y attarder en fait c'est commencer à plonger dans le texte. Donc voilà, utiliser d'autres activités autour du livre pour leur donner envie de le feuilleter et pour leur donner des éléments qui vont les aider à comprendre ensuite le texte. Merci Adélaïde, tu as répondu dans le côté, en fait oui bien sûr, les bandes dessinées sont plutôt adaptées à un public plus grand, donc on parle des enfants de 6 ans qui apprennent déjà à lire, à écrire. Je vous invite à regarder les fiches pédagogiques pour comprendre ma philosophie et mon approche pédagogique. Justement, au cœur des activités et de mes fiches pédagogiques, il n'y a pas que le texte. Donc, tous les passages que je sélectionne pour vous, ce sont des passages où je connais le niveau des apprenants pour lequel je didactise le matériel. Et j'ai toujours une idée, en fait, où est-ce que je veux amener les apprenants. N'oubliez pas qu'au cœur du travail avec la bande dessinée, il y a l'image. Quand vous donnez une bande dessinée à un enfant qui ne sait pas lire, il sait regarder les images. Et il sait comprendre ce qui se passe à sa manière. Donc, il va créer, il va imaginer, il va contextualiser, il va se mettre dans la peau du personnage.
Et nos apprenants de 13 ans, ils font exactement la même chose. Donc, ceci aide énormément. J'insiste beaucoup et je le répète à mes étudiants, regardez les images, vous avez les yeux pour voir. Ensuite, on fait le travail, bien sûr, d'échange avec les apprenants. Ce n'est jamais une activité. Prenez le livre, lisez, répondez aux questions. Ce n'est pas comme ça. Il y a un scénario qui vous permet en fait de passer d'une activité à l'autre comme si un fleuve coulait. Et bien sûr, avec les enfants dyslexiques, la même chose, vous allez trouver en fait cette approche pédagogique. Je ne mets pas au cœur de la lecture d'une bande dessinée le texte. Parce que ça décourage, bien sûr, il y a du vocabulaire particulier, il y a des expressions particulières. De un, il n'y a pas le texte qui est au centre, il y a le travail avec l'image, le travail en équipe, en groupe, en classe. Et puis, il y a vous qui pouvez guider les apprenants en cas de besoin. Je vous mets toujours des petites notes pour que vous sachiez comment faire. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que... Alors, je me permets de poser une question de la part de Laura. Je crois que Léa et Adélaïde, vous avez un peu répondu déjà, mais comment on peut faire avec les enfants dyslexiques? Si on veut rentrer dans la lecture, il est vraiment là aussi important de choisir les ouvrages avec attention. Les enfants dyslexiques ont besoin d'un texte qui soit très aéré. Donc, des BD où ce serait très collé, ça ne va pas marcher. Il faut un texte très aéré. Donc, entre les mots, il faut des espaces. Entre les lignes, il faut des espaces. Il faut des polices qui soient adaptées. Donc, des polices qui sont très rondes, qui sont sans petits empattements, avec des petits détails en bas, etc. Donc, ça, maintenant, de plus en plus, je pense que les éditeurs y font attention. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus d'albums ou de BD qui correspondent à ces critères-là. Donc, vous, en tant que prof, il va être nécessaire vraiment de regarder quelle forme a le texte et est-ce qu'il va être adapté à des enfants dyslexiques. Merci beaucoup pour ces précisions, Léa. Moi, j'avais une petite question, peut-être plutôt... personnel sur vous, en fait, sur qu'est-ce qui vous a donné, enfin, quel album ou quel BD vous a donné finalement le plus de plaisir à peut-être à lire d'abord, et puis lequel vous plaît le plus, et puis à didactiser justement. Je commence, Adélaïde. Vas-y, Léa. L'embarras de choix, hein, cette année. Il y avait eu tellement d'émotions et c'était très humain. Les bandes dessinées portaient beaucoup sur ce qui est au cœur de l'humain, donc d'où toutes ces émotions. J'ai beaucoup aimé Nowhere Girl parce que je travaille avec les enfants et les adolescents, et en me mettant à leur place, je vois souvent combien ils souffrent à l'école, la peur de ne pas vouloir, la peur de décevoir les enseignants, de décevoir les parents, de ne pas être comme les autres qui réussissent le mieux, de ne pas être aimé, accepté parce que. Donc ici, il y avait eu beaucoup de cette... c'était très, très vivant comme album. Le détective du bizarre, avec son passage sur l'ego, avait été très, très fort. Et pour lui aussi, où est-ce qu'aller chercher et surtout trouver le courage d'affronter le monde entier et de se voir tel que je suis et de s'accepter en plus. Donc ça, c'était probablement... On t'a triché, t'en as donné trois. Elles sont toutes fantastiques. Hein. Ceci ne veut pas dire... Voilà, j'ai pas répondu à la question, désolée. Léa, t'en as donné 3/5. Hein. Et toi, Adélaïde, du coup, c'est vraiment ton coup de cœur de cette année. Ouais. Moi, mon coup de cœur de cette année, c'est des trucs comme ci, des trucs comme ça. C'est l'imagier avec plein d'objets qui se rassemblent sous des catégories. Et je trouve ça déjà... j'aime beaucoup cette autrice. On l'avait déjà sélectionnée l'année dernière sur un livre. Que j'ai oublié comment ça s'appelle, Bernadette Gervais, qui fait comme ça des imagiers qui mélangent la photo, l'illustration, et avec toujours un concept très ludique derrière. Et je trouve que c'est,
à utiliser en classe, mais c'est génial parce que non seulement on peut apprendre du vocabulaire avec tout ça, on va pouvoir apprendre les mots comme des trucs qui piquent, des trucs qui roulent, des trucs qui, tous ces verbes-là et ces formulations-là, mais en plus on va pouvoir ensuite créer nos propres imagiers dans la classe et ça amène une approche hyper créative des mots qu'on connaît et je trouve ça génial. Moi je trouve cet album, enfin cet imagier, parce que c'est pas un album vraiment avec une histoire, mais je trouve ça hyper chouette à travailler en classe. Excellent. Peut-être une dernière question, Adriana, peut-être du public. Je ne sais pas si on a une dernière question. Et après, je vais essayer de vous présenter, parce que j'ai oublié de vous montrer rapidement tout à l'heure le guide en fait, de médiation. Je vais vous le montrer rapidement comme ça, parce que j'ai remarqué que dans le sondage, vous êtes vraiment une très, très grande majorité à ne jamais vraiment avoir participé à l'opération, en tout cas de ce que vous nous avez déclaré. Donc, c'est vraiment génial. Et encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment accessible à tous. Évidemment, nous, Institut français, on travaille beaucoup avec les instituts français, les alliances françaises dans le monde, mais on travaille également beaucoup avec les services culturels des ambassades et évidemment tous les chargés de coopération éducative et linguistique qui travaillent aussi avec les enseignants de français des différents pays dans lesquels ils sont basés. Et vraiment, ce programme s'adresse à tous les enseignants de français, de français langue étrangère, de tous les types de français, finalement, du monde. Donc vraiment, emparez-vous de tout ce qu'on vous propose et faites participer vos élèves, faites découvrir ces œuvres à vos élèves grâce aux fiches, notamment. Quoi. Peut-être donc une dernière petite question, Adriana, et je vous montre ça. Oui, alors il y avait une question de Oussama à laquelle Adélaïde elle vient de répondre. Donc, est-ce qu'il existe des polices précises pour dyslexie, pour les apprenants avec la dyslexie? Alors, moi, je travaille sur ce sujet depuis quelques années. C'est un sujet qui m'intéresse. Il y a plusieurs choses qui sont gratuitement en ligne, et notamment une police qui s'appelle Open Dyslexique, je crois, et qu'on trouve gratuitement partout. Mais sinon, je pense que toutes les polices qui s'appellent sans sérif, ça veut dire sans ces petits détails-là, fonctionnent aussi. Donc, tout ce qui peut être Arial et ce genre de choses, c'est pas mal non plus. Attendez, merci beaucoup. Pour ces petits conseils. Et donc, pour terminer, je vous montre juste à quoi ressemblent un petit peu les ressources que vous pourrez retrouver dans les liens qu'on vous a partagés sur le chat, sur la page, toutes les publications qu'on a faites sur IFProf pour faire vivre l'opération. Donc, vraiment pareil, c'est toutes ces ressources qu'on vous met à disposition. Vous pouvez les imprimer ou les faire imprimer par vos écoles, par les médiathécaires de vos écoles, etc., pour faire vivre l'opération. Attends, je minimise parce que je crois que tu as répondu en direct à une question, Adriana, c'est pas grave. Mais du coup, donc, vous voyez, il y a une affiche par exemple, il y a des petits stickers aussi à imprimer que vous pouvez tout à fait imprimer et donner ou diffuser auprès de vos apprenants. On a des petits marque-pages à colorier justement que vous pouvez aussi distribuer. C'est la recto verso. On a aussi des petites cartes postales qui reprennent une partie des illustrations. Donc cette année, ça reprend justement l'imagier des trucs comme ci, des trucs comme ça. Ça reprend une partie des images qui ont été vues dans l'album. Donc ça, c'est vraiment à votre disposition. On a aussi pour les médiathécaires, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns parmi nous aujourd'hui, un petit chevalet qui est pareil, imprimable, éditable, découpable, et vous avez le petit mode d'emploi derrière. Comme ça, vous pouvez faire vraiment des sélections particulières et une mise en évidence particulière des œuvres, des pépites, donc les œuvres physiques, pour le coup, que vous aurez évidemment achetées pour vos médiathèques, et du coup, les mettre en évidence avec ces petits supports. Et juste pour terminer, donc le petit guide qui est intéressant parce que vraiment en plus des fiches, on vous propose quand même pas mal de pistes d'activité et des témoignages de collègues qui ont fait vivre l'opération dans les années précédentes et qui vous donnent justement un petit aperçu du type d'activité qu'ils ont pu faire avec les enseignants avec lesquels ils ont pu travailler. Il y a une reprise, donc une petite explication de tout ce qui est à votre disposition. Et puis donc des liens vers des ressources, notamment des ressources qui sont proposées par le partenaire de l'opération, bien sûr, qui est le SLPJ, qui ont vraiment je vous invite à aller voir leur site internet. Il y a vraiment énormément de ressources super intéressantes pour justement travailler autour de la littérature jeunesse, des petites capsules vidéo, des critiques, des critiques vidéo, des œuvres par les étudiants. Donc voilà, c'est plein de petites choses dont vous pouvez vous inspirer, que vous pouvez reprendre aussi pour appréhender la littérature jeunesse avec vos apprenants.
Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour et puis je vous laisserai de toute façon aller voir ça sur le guide qui est donc téléchargeable. Voilà, voilà. Donc vraiment encore un immense merci à toutes et tous qui nous avaient suivis aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Encore un grand merci à toi, Adriana, de nous avoir assisté sur ce webinaire, ton baptême du feu. Et puis, bien sûr, à Adélaïde et Léa pour tout votre boulot avec nous sur les pépites internationales. C'est super fiche, encore une fois, cette année qui vont parcourir le monde, je l'espère. Et puis, voilà, faire vivre la littérature jeunesse dans les classes de FLE du monde entier. Merci à Alors, vous. Alors, merci beaucoup. Et je me suis permise d'ajouter le lien pour le prochain webinaire de IF Prof qui a lieu au mois de juin. Donc, vous pouvez accéder directement vers le lien pour pouvoir vous inscrire. Exactement. Ce sera le 16 juin. Et là, on parlera d'un tout nouveau programme. Ce sera autour de la chanson et du FLE cette fois. Donc, on vous invite à vous inscrire et à nous suivre le 16 juin prochain. Voilà. Encore merci tout le monde. Merci Adélaïde, merci Léa et à très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles aventures pédagogiques et de nouveaux webinaires. Voilà. Et bonne lecture à tout le monde. Bonne lecture. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.